Vegas. Eh bien écoutez, salut à tous, voilà c'est Monsieur Guillaume Gigleux, je travaille depuis déjà quelques années à Trick Track, ce site d'information ludique qui permet de découvrir un petit peu les jeux, les règles, les personnes qui font les jeux, et puis avant ça, animateur ludique aussi sur les différents salons et pour différents éditeurs, et avant ça, chroniqueur, rédacteur à Petit Peuple, à un webzine à l'époque, enfin bon, en tout cas un passionné de jeux, je crois qu'on peut le dire. Cite-moi 5 jeux dont tu ne peux pas te passer. Je vais tricher en te citant pour le premier une catégorie, le jeu de rôle. Ouais. Le jeu de rôle, premièrement, je ne peux pas m'en passer. Je vais dire des jeux qui me viennent là et qui sont plus dans des familles. Donc par exemple, Descent, donc le dungeon crawler, l'exploration de d'oubliettes sombres ou de land crawler qui permettent de rappeler un petit peu le jeu de rôle mais en même temps de jouer. Je vais citer aussi Under Falling Sky. Alors là, c'est pour la catégorie jeu solo, parce que je fais partie de ceux qui aiment bien, quand il n'y a pas de joueurs autour de moi, de pouvoir continuer de jouer quand même en me racontant des histoires avec ce qui se passe dans la partie côté jeu solo. Je vais citer un jeu que Eurogame gestion de ressources, qui est le jeu par lequel j'ai pu rentrer, et ça va être par exemple Les Piliers de la Terre, qui reste un jeu sur lequel je continue de jouer et d'apprécier beaucoup, même s'il y en a d'autres, par exemple les Stefan. Et puis le cinquième que je citerai aussi, c'est des jeux qui me titillent parce que tout d'un coup, il y a eu une idée de la part de l'auteur. Et par exemple, ça va être, et ce n'est pas encore une nouveauté, mais c'est Niagara. Le fait de réussir à faire jouer avec des ronds de plexiglas qui simulent ce courant de la rivière et qui nous emporte. Et du coup, quand il y a des idées comme ça, ça fait partie des jeux desquels je ne peux pas me passer parce que ça stimule la créativité de l'auteur. Et donc, du coup, moi, ça m'interpelle et j'adore découvrir comment un auteur a pu recréer un petit élément du monde. Combien de fois joues-tu par semaine ? Combien de fois je joue par semaine ? Alors, on va dire que ça dépend des semaines, mais en moyenne, si on compte le nombre de parties, ça peut être 20, 30. Il faut avouer que je triche parce que c'est mon boulot. Je vais essayer de casser une image d'Épinal, c'est que jouer pour le boulot, c'est plus tout à fait jouer, puisque normalement, autour de la définition du jeu, il y a l'aspect temps gratuit, temps offert. Je joue pour jouer et je ne joue pas pour autre chose, entre guillemets. Là, il y a un côté imposé, donc des fois, je joue pour le boulot et des fois, moi-même, je me demande en disant « Est-ce que c'est vraiment encore jouer ?» Il n'empêche que grâce à ça, bah, malgré tout, oui, quand même, je joue très souvent. Connais-tu ton budget jeu ou tu n'as aucune limite ? Non, je connais mon budget jeu. Je suis passé par une phase sans limite avant de travailler dans le monde du jeu, c'est-à-dire le moment où tout d'un coup la passion, c'était après la passion jeu de rôle et donc le côté jeu de société redémarre. Je redécouvre le jeu de société dans les années 2000 après le jeu de rôle et je découvre ces jeux de société dits modernes. Je plonge dedans et là je plonge dedans en achetant entre 4 et 5 jeux par semaine. Ça a duré pendant 4 ans pratiquement, donc effectivement la ludothèque monte très vite. On achète des fois un peu n'importe quoi, mais juste pour le plaisir de découvrir. Après, il y a eu une période beaucoup plus réfléchie, où du coup on se dit non, celui-là ça fait un peu doublon avec un tel. On arrive à la troisième période où là c'est pareil, c'est quelque chose d'un peu plus réfléchi, restreint, raisonné. C'est que ben, je sais que je peux profiter entre guillemets de la ludothèque de Trick Track pour jouer à des choses sans forcément peut-être les acheter. Et puis il y a ceux que je vais acheter en disant non, ça j'ai envie de les avoir à la maison. Et donc du coup, comme il y a aussi la famille, les enfants et tout, eh ben, le budget devient un petit peu plus restreint. Donc il y a eu une période no limite. Cette période-là a évolué aussi. Quelle est la pire chose que tu aies faite au cours d'une partie ? Je vais considérer que la pire chose que j'ai faite, parce que ça foire le jeu complètement, ça a été de tricher. C'est quelque chose que je m'astreins beaucoup à ne pas faire, parce que c'est ce qui ruine le jeu. Mais j'ai eu aussi une période un peu historique où c'était moi qui amenais le jeu de société. Et en amenant le jeu de société, les copains disaient « Ouais, mais toi, tu dois connaître les règles, donc tu vas forcément gagner. » Ce qui fait que je m'en prenais plein la tronche de la part de tous les copains. Et il y a un moment, tu perds. Et j'avais l'impression d'être un gros loser, un raté fini, etc. Et donc, il y a eu un moment où je me vois hein, presque extérieurement en train de tricher pour pouvoir rompre un peu le sort et tout.
Et en fait, c'est nul parce que c'est un jeu. Et donc, tricher un jeu, tu fais sincèrement. Mais quand on en est là, c'est qu'on doit avoir l'honneur dans les baskets. Et donc, du coup, depuis, je ne l'ai plus jamais refait. Mais je considère que c'est la pire. Par contre, il y a eu des moments où j'ai vraiment eu envie de balancer le plateau. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc, il y a des moments où vraiment la partie, t'es dedans. Et vraiment, ça me gonflait d'être la tête de Turc et tout. Je crois que j'aurais pu balancer comme ce gif célèbre où on voit le plateau de Catan être retourné par le mec qui y joue. Mais ça, par contre, j'ai pas franchi le pas. Malheureusement, oui, ça m'est arrivé, j'ai triché. Quel est le jeu qui n'est vraiment pas fait pour toi, mais que tout le monde adore ? Je vais citer un jeu qui pourtant, effectivement, visiblement, marche très bien. Et c'est une fois encore un style de jeu. Mais c'est le style blanc manger coco. Je peux en faire une partie, on a fait une trick-track télé autour de Joking Hazard, par exemple, qui est même encore un peu plus irrévérencieux et tout ça. Et donc, en fonction des personnes et du moment, je considère qu'on peut jouer à tout type de jeu à partir du moment où c'est le bon moment et les bonnes personnes. Je sais que c'est pas fait pour moi, ça m'est arrivé de m'y amuser, mais j'ai l'impression de profiter lâchement de problèmes d'autres personnes, ou voire même, alors quand c'est moi, je peux considérer que c'est de l'automoquerie, pourquoi pas. Mais voilà, je sais que ça plaît, je sais que cette irrévérence-là, ce petit côté « on s'en canaille à raconter des choses un peu scabreuses et horribles », a priori ça fonctionne, mais moi j'ai beaucoup de mal à considérer que la société s'en retrouve grandie, mais ce n'est que mon avis. Quel est le jeu que tu adores, mais on n'en parle pas assez à ton avis ? C'est un GMT, et ça s'appelle Thunder Alley. C'est un jeu de stock-car, mais qui est géré en card-driven. Il n'est qu'en anglais. Alors GMT, la plupart du temps, c'est du P500, donc tu sais que ça a dû faire quelques milliers d'exemplaires maximum. Il a une certaine forme d'exigence, c'est vrai, mais pourtant, il y a une telle intelligence dans la façon dont le mouvement des bagnoles qui suivent, de l'aspiration, de je me rentre dedans, etc., que je me dis, mais ah, c'est dommage que plus de gens ne le découvrent pas. Mais d'un autre côté, je sais aussi que cette forme d'exigence autour du jeu fait que de base, ça lui coupe certaines entrées. Donc, je ne peux pas non plus en vouloir, c'est tout. Voilà. Mais voilà, c'est un exemple. Il y en a d'autres où ces jeux sont malins, mais du coup, tu te dis, y a encore quelque chose qui bloque et qui fait qu'il ne peut pas atteindre un grand public, on va dire. Avec qui tu adores jouer ? Avec Tartampion. J'adore jouer avec les personnes au moment où ça déclenche ce moment humain. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup de monde et en même temps, des fois, n'importe qui, mais pas dans le sens n'importe qui, tuer n'importe qui, mais dans le sens, tout d'un coup, autour d'un plateau, l'alchimie se fait, on ne se connaît pas et pourtant, on vient d'ouvrir une partie de soi-même à l'autre parce que la partie s'est bien passée. Et moi, ces moments humains-là, c'est le plus fort. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout le style de joueur à avoir besoin, entre guillemets, de cerveau. Et je m'en fiche de savoir qui est-ce qui est en face. C'est juste pour avoir des adversaires. Non, je suis vraiment à apprécier le moment en disant « Mais là, on vient de se découvrir les uns les autres. » Et ce petit moment magique, c'est le moment… voilà. Alors bien sûr, oui, mes enfants, les amis, les collègues de Trick Track au moment où on se balance un petit peu des vannes ou des choses comme ça, bien sûr que ça fait partie de ces moments magiques-là. Mais ces moments magiques-là peuvent apparaître avec des parfaits inconnus. Et ça, c'est la magie du jeu de société autour d'un jeu de plateau à partir du moment où on accepte de se livrer un petit peu. Et ça, c'est magique. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as joué ? Sur les pentes d'un volcan. Du côté de Tenerife, on était plutôt côté voyage de noces. Et donc, c'est des moments où t'es tranquille, t'es à deux, t'as que ça à faire, c'est le voyage de noces. Enfin, non, c'est pas vrai, t'as pas que ça à faire, mais je veux... Non, stop. Bon, voilà. Et donc, du coup, il y a visite d'un volcan et puis un petit moment où tu sors quand même le petit jeu à deux et tout. Et ouais, je pense que c'est un peu insolite. T'as joué à quoi hier ? Hier, on a joué à Spy Connection qui arrive de mémoire, qui sera bientôt là chez Funforge. On a joué à... ça y est, alors il va sortir en anglais. Est-ce qu'il va s'appeler Get On Board ? Là, c'était chez Yellow. Et il doit m'en manquer encore un ou deux, mais voilà, les noms vont m'échapper. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cette micro-interview. Eh bien écoutez, en espérant avoir été clair, avoir parlé dans le micro, n'en avoir pas trop profité pour raconter n'importe quoi, et si c'est le cas, je m'en excuse d'avance. Moi, ce que je vous souhaite à vous, c'est de beaucoup vous amuser. Bonne partie à vous, profitez-en bien. Thank you.
Et chers amis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien !